Et on enchaîne sur le deuxième combat de la soirée avec donc le Thaïlandais Kaklai Karnosing qui va affronter dans quelques instants Alexei Ignashov. Alexei Ignashov qu'on a vu ces dernières semaines sur l'antenne d'Eurosport s'essayer pour Free Fight. On peut pas dire que c'était une franche réussite pour lui. Et le voilà de retour en K1 où là il a quand même beaucoup plus d'arguments à faire valoir, le Scorpion. Et donc face à lui, Kaklai Karnosing, un Thaïlandais qu'on connaît. Un garçon qui s'entraîne. Depuis peu, à vrai dire. Hein, bah, il commence à, un petit peu à. En K1, c'est la première fois. Mais sinon, c'est un garçon qui s'entraîne très régulièrement dans un camp à Bangkok qui est le célèbre Jockey Gym. Et là, c'est vrai, voir un garçon de 78 kilos se mesurer à des athlètes de plus de 100 kilos, ça peut paraître bien évidemment étonnant, mais vous savez que les Thaïlandais possèdent une technique et un coup d'œil exceptionnel, donc tout reste possible. Maintenant, c'est sûr que face à un garçon comme Alexei Ignashov, enfin, on en parlera un petit peu après parce que il n'est pas vraiment monté en super forme sur le ring, Alexei Ignashov. Ouais, 69 combats pour Ignashov, 63 victoires, 5 défaites, et sur les 63 victoires, il y a 34 KO pour un garçon qui a un petit peu du mal à digérer des débuts et une carrière très très prometteuse. Hein. On a quand même l'impression que là, il a. J'ai envie de dire qu'il s'est un peu éparpillé, moi, Alexei Ignashov, avant d'aller à droite, à gauche. Et voilà, peut-être que sur le K1, où il est de loin le plus à son avantage, il n'a plus maintenant la totalité de ses moyens, si l'on peut dire, à force d'aller voir en free fight, à droite, à gauche. C'est peut-être ça aussi son problème actuellement. Il y en a d'autres. Ah, mais si c'est plus d'ordre privé, on ne va pas non plus, on va dire que c'est plus rentrer d'ordre privé. Dans ce genre de détails, effectivement. Non, c'est un garçon qui est extrêmement doué, certainement l'un des plus doués de sa génération et je dirais du circuit K1, mais certainement pas le plus sérieux. D'accord. Malheureusement. Un peu de choses près sans rentrer dans les détails, on va dire qu'Alexei Ignashov est un homme qui aime la fête. Tout à fait. Et on est parti donc pour ce combat avec Ignashov, vous l'avez reconnu, à droite, short rouge, et Kaklai Karnosing en short bleu. Des deux va rejoindre Mighty Mo, c'est la grande question. Pour l'instant, on connaît donc deux finalistes pour cette finale du K1 World Grand Prix, le tenant du titre Rémi Bongjaski et l'américain Mighty Mo, vainqueur express de Gary Goodridge. Ah, il est intelligent ce combattant thaïlandais. Regardez, il est mobile, il reste pas devant Alexei Ignashov, il bouge à droite, à gauche. Allez, il va nous faire de belles esquives. C'est sûr, regardez ce front kick sauté qui a surpris Alexei Ignashov. Il lève bien les mains là pour l'instant Alexei Ignashov parce qu'il n'est pas forcément en position d'attaque. Oh, le kick de Karnosing. Et heureusement que celui d'Alexei Ignashov n'est pas passé hein, parce que là la différence de poids aurait pu faire de très gros dégâts. Regardez cette droite qu'a essayé de passer le Thaïlandais. Ah, ça va pas être facile pour Alexei Ignashov. Hein. Vous savez, ils ont vraiment la science du combat, les tailles. Hein, et... Regardez comment il bouge bien, il se déplace. Il anticipe toutes les attaques du Biélorusse. Et pour le moment, eh bien, Alexei Ignashov a du mal à trouver une solution face à une cible un petit peu trop mouvante pour lui. Et en plus, il a pas de garde, hein, Kaklai. Il ferait peut-être mieux faire attention d'ailleurs. Hein. Kaklai Karnosing, donc avant d'affronter Alexei Ignashov là dans ce combat que vous êtes en train de voir, il avait battu Denis Kang par KO à la première reprise, c'était le 17 juillet 2004 lors du K1 World Grand Prix de Séoul. Exactement. C'était au premier tour, ensuite il s'est imposé contre Tsutsuyoshi Nakazako par décision en demi-finale et en finale il a battu Shingo Koyasu, là encore par décision au terme des trois reprises. Bref, c'est quand même avec un beau palmarès pour des débuts en K1 que Karnosing affronte un Alexei Ignashov, comme on vous l'a fait comprendre, pas à 100% de ses moyens. On vous expliquera peut-être après. Hein. Pour l'instant, effectivement, on va vivre les 20 dernières secondes de cette première reprise avant de s'épancher un peu sur le cas Alexei Ignashov, si je puis dire.
Parce que regardez, il n'y a aucun démarrage de la part d'Ignashov. Il n'essaye même pas de véritablement préparer des enchaînements. Il attend en fait le combattant thaïlandais. Et sur cette première reprise, eh bien, un très beau comportement de Khao Klai Kenorsing. Hein. Alors que bon, généralement, Ignashov rentre tout de suite dans le vif du sujet. On se souvient de sa magnifique victoire contre Carter Williams. Hein. Et Carter Williams n'avait résisté à peine que deux rounds face à Ignashov. Et là, ça ne peut que mettre en confiance Khao Klai Kenorsing. Alexei Ignashov. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je veux dire, Pascal, voilà, on vous faisait comprendre à peu de choses près qu'actuellement, il n'était pas au mieux de sa forme. Et par rapport à cette demi-finale, il est en plus arrivé dans des conditions un peu particulières. Il est arrivé malade, en fait. Hein. Pour tout dire, quand il est arrivé à Tokyo, oui. Lorsqu'il a passé la visite médicale, juste avant de pouvoir être bandé et ganté, il était limite qu'il ne combatte pas, car là en fait il est victime, on ne le voit pas, mais il est victime d'une intoxication alimentaire. Et il est monté sur le ring avec plus de 39 de fièvre. Hein. Alors, ça ne va rien retirer bien évidemment à la prestation que va livrer le combattant thaïlandais. Mais on ne comprenait pas cette non-combativité d'Ignashov, et bien évidemment après renseignement, le verdict est tombé. Non, il était vraiment vraiment malade. On va voir quand même hein, s'il peut s'en sortir. Alexei Ignashov. Parce qu'on connaît Alexei, même s'il a fait la fête de trois jours avant, en général sur un ring il se comporte quand même assez bien. Là il a vraiment du mal à rentrer dans le combat, on le voit, il est carrément gauche quoi. Lui qui d'habitude est si adroit, si habile en corps à corps, et bien là il a du mal également à trouver des solutions. Et puis en face de lui il a un crack du Thai boxing. Là, je dirais que pour Khao Klai Kenorsing, il ne manque uniquement que les coups de coude. Mais sinon, toutes les autres techniques sont véritablement similaires à celles du Muay Thai. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, on a vu des combattants thaïlandais à l'époque rencontrer des Européens et généralement des Néerlandais où il y avait plus de 10 kilos d'écart. Hein. Ça ne les a jamais impressionnés. Ouh, par contre, quand ça claque en middle du côté d'Ignashov, ça claque. Hein. Ouais, là, il fait pas belle réaction, on l'a regardé, du Thaïlandais. Le voyage pour rien, comme on dit, Alexei Ignashov. Non. Ouais, c'est sûr qu'au niveau de la longe, il est bien là, Alexei Ignashov. Très bon look kick de Khao Klai. Il n'a pas de risque à prendre. Hein. Je dirais qu'il a uniquement marqué les points, ensuite s'accrocher, se protéger, éviter de se faire contrer. Et en trois rounds, il peut y arriver. Hein. Un carton jaune. Hein. Pour Alexei Ignashov qui prend donc un avertissement. Les deux hein, d'ailleurs. Et Khao Klai Kenorsing aussi. Peut-être un peu trop d'accrochage répété. C'est un peu pour non-combativité à peu de choses près, hein, les deux garçons. Le front kick là, de la jambe avant. Très très belle jambe avant ce Khao Klai Kenorsing. Encore 10 secondes dans cette reprise. Très bon look kick là, de Khao Klai. Et fin de cette deuxième reprise avec toujours Alexei Ignashov qui a du mal, mais Kenorsing, on l'a vu un petit peu boitillé hein, à la fin de cette deuxième reprise. Peut-être que les low kicks de son adversaire commencent un petit peu à lui peser dans les jambes. Ah, il y a quand même une très grosse différence de poids. C'est aussi la raison pour laquelle effectivement les coups sont fortement ressenti par le Thaïlandais. Il a essayé de placer un bon coup de genou là tout de même, Alexei Ignashov. Et pas mal non plus là le low kick de Khao Klai Kenorsing. Il a même pas réussi à projeter son adversaire au tapis. Regardez, superbe front kick de la jambe avant, la jambe gauche.
On vous rappelle que les combats se disputent bien sûr en trois rounds de 3 minutes, mais on peut avoir recours à des extra rounds si jamais les juges, au terme des trois reprises, considèrent que les deux garçons ne seront pas départagés. C'est vrai que pour le moment, c'est quand même très très serré. Ouf. Ah, quand il les envoie, Alexey Ignashov, il les envoie. Hein. On ne peut pas dire qu'il les envoie très souvent depuis le début de la rencontre. Pour l'instant, c'est une bataille de low kick entre les deux garçons. Oui, encore un low kick K.O. Klai. Et bien évidemment, le Nippon Budokan de Tokyo a fait le plein hein, pour ce rendez-vous des demi-finales. Oh oui, il va y avoir... De toute façon, il fait 14 860 spectateurs, hein, donc il va être plein. Effectivement, près de 15 000 spectateurs. Oh, encore là, une belle droite de K.O. Klai qui vient de passer. 15 000 spectateurs étaient donc présents pour ces demi-finales le 25 septembre dernier. Et le Grand Dôme de Tokyo, le 4 décembre, fera le plein pour la finale. Là, ça va être un peu plus. Hein. On annonce à peu près 73 000 spectateurs. Dont un qui est à mes côtés et qui aura le plaisir de découvrir tout ça. Et je serai votre envoyé spécial. Très spécial. Ouais. Allez, on continue avec encore 1 minute 30. Dans cette troisième reprise, avec ce beau crochet du gauche là, de Rémi Bondjaski, d'Alexey Ignashov. Vous êtes en train de regarder Rémi Bondjaski. Et du coup, je vous ai parlé de lui, c'est bien Alexey Ignashov qui a balancé ce crochet du gauche. Ah, il a du mal tout de même, Alexey Ignashov. Ce soir, on n'a pas vraiment le tsar sur le ring, malheureusement. Hein. Et donc, eh bien, il permet pour le moment à K.O. Klai Ken Horsing de pouvoir espérer s'imposer, hein, puisque pas grand monde aurait donné cher de sa peau. Ah non, là, c'est clair. Hein, je peux vous dire que la veille, la conférence de presse, il est ouvert d'ailleurs. Ouais, il a l'arcade droite ouverte. Alors, est-ce que c'est raison d'un choc de tête ou pas? Ça, c'est toujours la grande question. Non, je pense pas. Il me semble pas. Et peut-être qu'on va soigner K.O. Klai Ken Horsing. C'est la raison pour laquelle l'arbitre a interrompu momentanément le combat. Non, c'est pas une technique de jambe qui est passée. Peut-être bien un high kick. On verra peut-être non. Ça vient ralenti. En tout cas, cela dit, ça a l'air quand même d'être une coupure. Bonne coupure. On voit relativement souvent en cas de choc de tête. Ouais. Donc c'est toujours la question qu'on peut se poser. Vous avez raison, c'est possible. C'est une belle ouverture. Ah, elle est profonde et elle est large. En plus, l'entaille. Et les deux garçons qui vont pouvoir terminer les 20 dernières secondes de cette troisième reprise. Pas forcément les 20 dernières secondes du combat, puisque je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à deux extra rounds. Si jamais les deux garçons ne se départagent pas au terme des trois reprises, puis d'un premier extra round. Il est vaillant, hein, le combattant thaïlandais. Hein. C'est lui qui fait la pression là, durant les dernières secondes de cette reprise. Ah, il a peut-être peur, hein, Ken Horsing, qu'on l'arrête à cause de cette blessure. Donc du coup, il faut qu'il montre ce serait dommage. Pas mal de choses. Bien sûr. Et fin de cette troisième reprise. Alors, est-ce que c'est la fin du combat? Ça, c'est une bonne question. Dans la mesure où si on avait recours à un extra round, Pascal, ce serait franchement pas un scandale, ce serait peut-être même normal. Hein. Je pense que ce serait logique. Je pense qu'une quatrième reprise devrait être nécessaire pour vraiment les départager. Hein. En tout cas, Alexey Ignashov a regagné son coin comme s'il allait devoir enchaîner. Donc, a priori, on va avoir droit à un extra round au moins. On ne sait pas, hein. On va attendre la décision. On va attendre la décision, ils vont quand même aller au centre du ring. Hein. Ah non, complètement, non, mais c'était par rapport à la manière dont on soignait Alexey Ignashov. On l'a assis sur le tabouret, là, comme si il, en peut plus, le pauvre, il allait enchaîner. Il n'en peut plus, j'ai l'impression. Il est malade, le pauvre. Hein, donc, ça ne va pas l'arranger, lui. S'il y a un extra round, franchement, ça ne va pas faire son affaire. Peut-être que du côté de son coin, on a déjà anticipé les événements. En tout cas, du côté de Ken Horsing, on s'affaire pour... faire en sorte de pouvoir minimiser au maximum les effets de cette blessure. Bien sûr.
Si les deux garçons partent pour 3 minutes, on va attendre la décision. Draw pour le premier jeu. Donc, égalité pour le premier. Il a donné le Thaïlandais, le deuxième juge. Kedarsing, le deuxième juge, effectivement. Draw pour le troisième. On a un extra round. Et donc, comme deux juges sur trois donnent un match nul, on a droit effectivement à un extra round. C'est la règle, hein. Il faut qu'au moins deux juges donnent la victoire à un des deux garçons pour que le combat soit terminé. Mais en cas de deux égalités sur trois, c'est l'extra round. On n'est pas serein, hein, dans le coin d'Alexey Ignashov. Par contre, là, je peux vous dire que Thaï, ils sont hyper motivés. Et ils ont dû lui dire maintenant, faut y aller. Hein. T'as 3 minutes. Et ça, c'est le visa pour aller au Dôme de Tokyo. Alors, je peux vous dire en plus que quand les Thaïlandais descendent pour un événement aussi exceptionnel, il y a le patron, il y a du monde quoi derrière. Hein. Il suffit pas de se louper. Hein. Alexey Ignashov, effectivement, qui est tout palo là. Alors, il n'est pas bien. Et qui va devoir, regardez, hein, enchaîner. Pourtant, Dieu sait qu'il adore aller au combat, Alexey Ignashov. On va voir. Hein. En tout cas, pour le moment, très belle prestation de Thaï Norsing. Il y a des belles saisies, il remet en low kick. Ah, il le sait, hein, là il a 3 minutes du bonheur, le Thaïlandais. Parce que c'est vrai que personne n'aurait parié 100 yens sur lui la veille. Et là, eh bien, pour le moment, il est en train de réaliser peut-être la première grosse surprise de ces éliminatoires. Parce que c'est vrai qu'on ne pensait absolument pas voir Alexey Ignashov peiner face à ce garçon. Et là, pour le moment, eh bien, il a vraiment du mal. Il faut y aller là, faut pas attendre. Non, il n'y a aucune explosivité là du côté d'Ignashov. Pas d'explosivité, pas de recherche d'enchaînement. Et... Oh là, le bon crochet du gauche. Ouais, mais bien évité par le Thaïlandais qui a essayé de contrer en front kick direct. Il aime bien placer les front kicks sautés. Kedarsing là qui est en train de tourner un peu autour de son adversaire. Bien sûr, et là il a senti qu'Alexey Ignashov avait du mal à bouger. Donc bien évidemment, la meilleure solution, eh bien, vous voyez, c'est de bouger, d'envoyer, de reculer. Et en attendant, bah, il marque ses points. Là, le Thaïlandais, il n'est pas venu pour s'imposer avant la limite. Hein. Il en profite pour récupérer un petit peu Alexey Ignashov. Bon, bah. Ouais, il cherche l'air, il a du mal. Ouais, c'est sûr que la blessure, c'est pas encore plus ouverte, mais ça a l'air d'aller. On est reparti, encore une 30 dans ce premier extra round. Il travaille beaucoup en low kick avec Alexey Ignashov du fait de sa plus grande taille. Mais pour l'instant, ça ne s'avère pas forcément efficace. Oh, et ce qui vient de Kenorsing. Magnifique. Il est en train de nous faire le spectacle, de la provoque, enfin tout en même temps. Il a essayé de placer un high kick sauté. Et il n'a pas peur d'aller au contact. Hein. Tout de même le visage bien marqué, mais... Il a essayé de placer une belle droite là, Kedarsing. Alors attention, parce que là, il y a peut-être eu un coup bas involontaire de la part d'Alexey Ignashov. D'où cette douleur et cette chute de Kedarsing. Oui. Et oui, il n'y a pas de problème. Vu l'endroit où ça fait mal, ça fait très très mal. C'est un coup bas malheureux d'Alexey Ignashov. Accidentel ou pas. Il n'est pas allé de main morte, semble-t-il. Il n'est pas allé de main morte, semble-t-il. Et il semble souffrir, le pauvre Kedarsing. Alors on va voir ce qui s'est passé exactement. Regardez, c'est le coup de jeu.
C'est un coup de genou qui lui a mis à ce malheureux Kenorsi. Alors excusez-nous, hein, un peu le fou rire, mais c'est vrai que vu la manière dont le pauvre Kenorsi exprime sa douleur et qu'on vient de voir ce qui s'est exactement passé, on comprend mieux maintenant pourquoi il est en train de souffrir le martyr. Allez, peut-être les dernières secondes, les dernières secondes ouais. Effectivement du combat. Enfin, on ne sait pas, il peut y avoir un cinquième extra round. Hein. On a peur hein, pour Kenorsi maintenant. Parce que 10 secondes encore. Ouais, faut qu'il tienne. Pour l'instant, il tient le bon bout en tout cas. Regardez, en tout cas, il a le bras. Excusez-nous, on a le fou rire. Il a le bras en l'air parce que Kenorsi, il sent bien qu'il est proche de la victoire. En tout cas, on ne connaît pas encore la décision, mais ce que l'on peut dire, c'est que de toute façon, il a réalisé un véritable exploit. Ça, c'est déjà la seule chose qu'on puisse affirmer. Il est heureux, Kenorsi. Ah, oui, non, franchement, 4 rounds face à un garçon du calibre d'Alexei Iñachov. Mais maintenant, même si on sait, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, qu'il était vraiment malade, chapeau en tout cas à Kauklai. Avec Kauklai, Kenorsing et Alexei Iñachov qui vont attendre maintenant, hein, voir comment les juges vont analyser cette quatrième reprise, cet extra round. Va-t-on enchaîner sur 3 minutes supplémentaires ou pas? C'est la grande question. Alors écoutez, le verdict du premier juge. Alexei Iñachov pour le premier. Kenorsing pour le deuxième. Alors attention, parce que là, le troisième, s'il donne go, on va avoir un extra round. Non, et c'est Kenorsing qui gagne par deux. Juge à 1, effectivement, face à Alexei Iñachov et après Mighty Mo. Magnifique exploit. Kenorsing réussit un superbe exploit, un authentique exploit. Et sera donc présent le 4 décembre prochain lors de la grande finale au Grand Dôme de Tokyo. Bravo. De ce K1 World Grand Prix. Belle victoire, victoire quelque part méritée. Et on espère retrouver très vite Alexei Iñachov sur les rings.